Bonjour les amis, c'est Nicolas Ducarrois, votre voyant et magnétiseur. Alors d'abord, merci pour les vidéos précédentes qui ont eu un véritable succès. Alors la vidéo sur mes prédictions de voyance pour l'année 2015 et puis la petite vidéo pour la protection d'une maison par le gros sel, ce petit rituel de Feng Shui. Voilà, donc je voulais vous remercier. Vous pouvez les retrouver en allant directement sur mon site internet www.cabinetoracle.fr. ou alors directement avec les liens ci-dessous. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce que m'a donnée une amie végétarienne et membre de la protection animale et dont j'ai testé ce petit rituel. Alors c'est simple, c'est quelque chose de tout à fait naturel, c'est contre les puces, les tiques et toutes les petites bébêtes qui peuvent ennuyer nos amis les animaux pendant cet été. Alors, il vous faut 50% d'eau dans un récipient, voilà. Il vous faut du vinaigre de cidre, de l'huile essentielle de citron, de l'huile essentielle de menthe et de l'huile essentielle de lavande. Alors c'est simple, dans un petit récipient, dans un pulvérisateur, c'est le mieux, hein. Vous mettez 50% d'eau, auquel vous allez mélanger 50% de cidre. Alors je le fais en direct, j'espère que vous voyez bien. Donc c'est à faire pour pulvériser. Alors vous pouvez en pulvériser légèrement sur vos animaux, mais surtout c'est pour tout ce qui va être la niche, le coussin de couche pour le chien. Alors attention, par contre, interdiction, c'est totalement interdit pour les chats, les rongeurs, c'est uniquement pour les chiens. Hein, qu'on soit bien d'accord, si vous avez des chats, on va éviter d'utiliser cette petite astuce. Alors, je vais prendre l'huile essentielle de lavande et je vais en rajouter 10 gouttes. Voilà. Voilà. Puis, l'huile essentielle de menthe et je vais en rajouter 5 gouttes. Voilà. Alors, si vous avez besoin de conseils pour les huiles essentielles, vous pouvez contacter directement via mon site internet, hein, et puis je vous donnerai tous les éléments nécessaires pour pouvoir commander de bonnes huiles essentielles, parce que ça aussi, c'est très important. Alors là, maintenant, je vais prendre l'huile essentielle de citron, et je vais en mettre aussi 5 gouttes. Alors, c'est simple, c'est 5 gouttes pour l'huile essentielle de menthe et de citron, et pour l'huile essentielle de lavande, c'est 10 gouttes. Voilà. Il vous suffit juste de mélanger le tout. Et de pulvériser partout. Voilà, donc une fois que vous avez fait ce petit récipient, vous pouvez le conserver une quinzaine de jours. Moi, je conseille de le mettre au frais, c'est mieux. Vous pulvérisez un petit peu partout. Hein. Donc surtout sur les coussins, au niveau du sol. Comme ça fera fuir tous les puces et les tiques. Vous pouvez en pulvériser voilà, légèrement sur votre animal. Mais attention, encore une fois, pas sur les chats. Donc je vous rappelle ce qu'il m'a fallu pour réaliser cette petite astuce anti-puce et anti-tique. Il m'a fallu du vinaigre de cidre, de l'eau, de l'huile essentielle de menthe, de l'huile essentielle de citron et de l'huile essentielle de lavande. Voilà, c'est tout simple. Donc 50% d'eau, 50% de cidre, 5 gouttes de menthe, d'huile essentielle de menthe, 5 gouttes d'huile essentielle de citron et vous mettez 10 gouttes d'huile essentielle de lavande. Voilà. Donc, je vous laisse essayer cette petite astuce. Bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires pour me dire comment ça a fonctionné pour vous. Et je vous attends rapidement sur www.cabinetoracle.fr. À très bientôt.